Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Exode. Exode, ça sera le chapitre 38. Verset 8. Donc, si quelqu'un a la page, il peut faire lecture. Exode 38, verset 8. Il fit la cuve des reins avec sa base des reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la grande assignation. Bon, Dieu. Je n'ai pas la même version. We're going to talk this morning from Exodus 38, verse 8. And they made a bronze basin and its bronze stand from the mirrors of the women who served at the entrance to the tent of meeting. Il fit la cuve des reins avec sa base de reins en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de l'assignation. La cuve d'airain, chers frères et sœurs, c'est le deuxième instrument du culte chez les Hébreux. The bronze basin for the Hebrews was the second instrument that they used. Elle se trouvait dans la première partie qu'on appelle le parvis. And it was found in the first part. Ouais, Dieu avait donné, quand il a sorti le peuple juif de la captivité, il leur a donné les lois et le tabernacle. When God took out his people, he gave them the law and the tabernacle. Le tabernacle, c'était une tente. The tabernacle was in fact a tent. Et ce tabernacle était fait en trois parties. And it was made of three parts. Il y avait le lieu très saint. There was the holy of the holy. Le lieu saint and the holy place, et les parvis. And the front part. Et dans le parvis, il y avait deux instruments dans le parvis. Hein. Le premier, c'était l'autel d'Airain. L'autel d'Airain où les juifs, ceux qui avaient péché, apportaient l'animal et on le plaçait à l'autel d'Airain pour qu'il soit consumé. And this is the first place was the hotel and this is where they used to bring the animal. Juste après l'autel des reins, il y avait cette cuve, la cuve des reins. And just after that, there was this bronze basin. Elle était carrée, chers frères et sœurs. It was a square one. Et il y avait sur ses parois et sur sa surface, sa base, les miroirs, les coutumes par les miroirs de femmes. And as a basis, scripture talks about the mirrors of the women. Nous savons tous la fonction du miroir. We know what the mirror is for. Ben, pour ceux qui ne le savent pas, but for those who don't know it, le miroir, c'est ce qui offre le reflet de quelque chose, l'image. The mirror offers the image of something. Ouais, imaginez quand quelqu'un veut, quand nous sortons, et la plupart des femmes, c'est un instrument qu'on trouve plus chez les femmes. It is something that we find mostly among women. Et les femmes ont du mal à se passer du miroir. And women can do without it. Without et ce matin, je suis persuadé que si on fouille le sac des femmes, au bout d'un moment, on va trouver des miroirs. I have persuaded this morning that if we look into women's et quoi, quand on conduit, quelquefois je vois en conduisant, quand devant le feu, si vous avez une femme, avance et puis voilà, elle va prendre du temps pour sortir son miroir sur, dans son sac ou utiliser le rétro intérieur pour se mirer pour. Sometimes when I'm driving, I see women even taking their mirrors at traffic lights or looking into the mirror. Ouais, les femmes sont attachées au miroir, je ne sais pourquoi. Women are attached to the mirrors, I don't know why. Ouais, mais le miroir a une utilité, chers frères et sœurs. The mirror is useful. Elle nous permet d'enlever des imperfections, chers frères et sœurs. It allows us to take out imperfections. Et le titre de mon message ce soir, cet après-midi, ce matin, oui. And this morning, the title of the message. C'est le miroir de Dieu. It's the mirror of God. Dieu aussi un miroir.
God also has a mirror. Et nous sommes des femmes, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, nous sommes l'épouse de Christ. And we are the spouse of God, whether we are men or women. De même que nous utilisons le miroir naturel, chers frères et sœurs, pour enlever les imperfections dans nos vies, chers frères et sœurs, pour être bien vus. In the same way, we use a mirror in our life to take out the imperfection, to be well seen. La cuve des noms, les sacrificateurs qui rentraient, ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint sans passer par la cuve des reins. The priests couldn't go into the holy of the holies unless they went first through the first bronze basin. Ils se servaient de la cuve des reins pour faire ce qu'on appelle les ablutions. And they would use that to have ablution. Donc la toilette, c'était une purification extérieure du corps. A kind of external purification. Et après cela, donc, le miroir les renvoyait leur image, ce qu'ils étaient. Donc ils pouvaient voir s'ils avaient, je ne sais pas, la bave, s'ils avaient la morve, s'ils avaient, je ne sais pas, des choses qui ne sont pas agréables. And the mirror would send them their own picture to show whatever was not pleasant. Et à partir de ce miroir-là, donc, ils pouvaient se corriger, chers frères et sœurs. And so from this mirror, they could correct themselves to something about afin de rentrer dans le lieu saint, oui. So they could go in the holy place pour offrir des sacrifices, pour offrir les parfums, notamment l'encens. To offer sacrifice and the perfume and incense. La cuve des reins, ça nous parle aussi, ça nous parle de la nouvelle, c'est le baptême, hein, le baptême, et nous sommes l'Église du Seigneur. This also speaks to us about baptism. Le Seigneur nous a purifiés par l'eau de la parole, mais c'est pas l'eau naturelle. The Lord has purified us with the water of His word. Donc c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie nouvelle parce que Christ a donné sa vie. It's the word of the Lord that makes us come to a new life because God has given His life. Et puisque nous allons de transformation en transformation, chers frères et sœurs, and since we go from one transformation to another, nous avons besoin de ce miroir, chers frères et sœurs, le miroir de la parole de Dieu. We need the mirror of the word of God. Quelqu'un peut lire le livre de c'est Jacques, oui, je crois Jacques 1. Oui, Jacques 1, verset 22 à 25. Jacques 1, verset 22 à 25, quelqu'un peut lire. James 1, verse 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui l'a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire à Dieu. Listening and doing. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. Oui, la parole de Dieu, c'est comme un miroir, en fait, qui nous renvoie ce que nous sommes réellement. In fact, the word of the Lord is like a mirror that sends us back what we really are. Ce que mon ministère est. On ne peut pas mentir. Nous pouvons nous mentir. Nous ne pouvons pas mentir la parole. We can lie to ourselves. Ça renvoie ce que mon ministère est, le style de l'adoration même que j'apporte à Dieu. But it will be showing what I bring to God. Le service que j'apporte à Dieu. The service that I bring to God. Ça met en relief en fait ce que je suis.
It will ça extériorise ma personne. It will show in fact who I am. Ouais, la Bible c'est le seul livre au monde. Bible is the only book in the world. Qui te lit en même temps que tu lis la Bible, quoi. Amen. That reads in you at the same time that tu te sens lu par la Bible. Amen. You feel you are being read by the Bible. Il faut qu'on accepte cette vérité parce que le but quand même c'est le Seigneur nous a appelés et nous sommes destinés à devenir semblables au Fils and de Dieu. We have to accept this truth because the Lord has called us to be similar to his son. Et Dieu nous destine à devenir semblables à lui, chef et soeur. God has got a plan so that we must become what he is. Ouais, beaucoup aujourd'hui on prêche la destinée dans nos églises, nos belles églises. In our beautiful churches, we preach destiny. Ouais, et quand on ouvre bien les oreilles, ben ça tourne autour, la destinée tourne autour des choses du monde. Tu auras des villas, tu vas rentrer dans ta destinée. There are things of the world. C'est les choses du monde, chaque personne. They are the things of the world. Mais c'est pas ce que l'Écriture dit. But this is not what the Scripture says. L'Écriture dit que nous sommes destinés à devenir semblables au Fils de Dieu. The Scripture says that we are our destiny is to become like. C'est-à-dire à être comme Christ. The Son of God, to be like à vivre Christ, comme Christ. To live as a did. À marcher comme Christ. To walk as a did. À opérer comme Christ. To operate as a did. C'est ça un disciple. Alléluia. This is what a disciple is. Et tout disciple que Dieu lui tout disciple accompli sera comme le maître. And whoever is a disciple will be like donc, the master. Donc Dieu ne nous appelle pas à être comme un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, mais à être comme le maître, c'est-à-dire comme Jésus. God is not calling us to be a priest or whatever, but he's calling us to be like Jesus himself. Dieu ne nous appelle pas à rentrer dans un moule quelconque. God is not calling us to enter into any type of mold. Chef François, mais à rentrer dans son moule à lui. Alléluia. To enter into his own mold. Mais nous devons nous laisser façonner par la parole de Dieu. But we have to be shaped by nous devons accepter le jugement de la parole de Dieu dans notre vie. And we must accept, c'est ce qui nous permet de faire des progrès, chers frères et sœurs. C'est ce qui permet la nature de Christ de gagner notre vie. That allows us the nature of Christ to ouais, mais si on us. Se borne, comme l'apôtre Jacques le dit, si on se borne seulement à écouter, on apprécie, oh c'était bien, hein. We just listen and think, well, it was nice. On aime écouter et apprécier, chers frères et sœurs. Yes, we like to listen. Mais qu'il n'y a pas la pratique, chers frères et sœurs. But we have to put it into nous n'aurons pas d'expérience avec Dieu. We will not have any experience with God. C'est le livre de la science et divine, ce livre. This book is the book of divine science. Et dans toutes les sciences, il y a non seulement la théorie, and in all sciences, not only we have the theory, mais aussi la pratique. But we also have the practice. Et chers professeurs, c'est en pratiquant and it is by practicing qu'on acquiert l'expérience, that we acquire qu'on a un résultat. That we have results. S'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de résultat. If we don't practice, we have no results. Le Seigneur dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous ne faites pas ce que je vous dis. And the Lord say, why do you call me Lord, Lord, and you don't do what I'm saying? Il nous faut obéir à la parole de Dieu, chers frères. We have to obey the word of God. L'Écriture dit que c'est la loi de la liberté, chers frères. And it's a law of freedom. On veut être heureux. We want to be happy. On veut être affranchi. We want to be free. Mais ça passe par la parole de Dieu, chers frères. This goes through the word of God. Laissons le Seigneur nous corriger, chers frères. Let the word laissons le Seigneur enlever les imperfections, les défauts dans nos vies. Take away the defects, des choses qui ne le glorifient pas lui. The things which do not glorify him. Vous voyez, on veut servir vite, on veut aller plus vite que le Seigneur. We want veut to go, aller avec nous. We want to go faster than the Lord. On a envie de servir, de courir à gauche à droite, we d'organiser run, les croisades, il faut que les gens viennent. We want to run right, left, pour voir la chair. Because the things of the flesh. Chers frères et sœurs, on ne pouvait pas rentrer ces sacrificateurs qui servaient dans le que ce soit dans le tabernacle qu'avait reçu Moïse ou le temple qu'a bâti plus tard Salomon, parce que le sacerdoce, le tabernacle, c'est pas la reproduction en tant que chair
Oui, le tabernacle, oui. The priest couldn't enter this tabernacle. Donc voilà, je dis pour servir dans le tabernacle. To serve in the tabernacle. Il fallait passer par la purification, par la cuve, chers frères et sœurs. Il fallait être nettoyé et lavé. They had to be cleansed. Et Dieu nous, nous avons besoin de nous laisser nettoyer par le Seigneur. And we have to let God cleanse us. Laissez le Seigneur nous purifier, chers frères et sœurs. Let the Lord purify us. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous portions sa présence. Nous sommes comme des vases, des contenants. Because God wants to live in us. We are. Et il veut nous remplir de sa présence, chers frères et sœurs. He wants to fill us with His presence. Le service le plus efficace, c'est avec l'Esprit Saint. S'il n'y a pas l'Esprit Saint, il n'y a rien, c'est la religion. If the Holy Spirit isn't with us, there's nothing else but religion. Et c'est nous qui devons permettre à l'Esprit Saint de venir vivre pleinement en nous, chers frères et sœurs. We have to allow the Holy Spirit to live in us fully. Nous devons être remplis de l'Esprit Saint au point de devenir ivre. We have to be filled with the Spirit. To the point of being je drunk. Je ne parle pas d'être ivre de vin, not de drunk with wine, mais ivre du Saint-Esprit, c'est pas ça. Et vous savez, les gens qui sont ivres, ils n'ont pas honte. Amen. And people who are drunk are not ashamed. L'apôtre Paul dans Jean, dans Romains chapitre 1, verset 16, dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » In Romans 8, he said, I'm not ashamed of the gospel of Ça, c'est l'Esprit Saint qui enlève la honte. This is the Holy Spirit that takes away the shame. La honte des autres, le candidaton, prenons la victoire sur le candidaton. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? What will people think? Et cet apôtre-là, pourquoi il n'a pas honte? Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. This apostle is not ashamed because he was filled with the Spirit. Et il va donner ce conseil à Timothée, qui était son enfant dans la foi. And he will give this piece of advice to. Il dit, n'aie pas honte du témoignage à rendre. Alléluia. Donc, on a, quand on est rempli de l'Esprit Saint, on est courageux, c'est l'esprit de courage. When we are filled with the Spirit of the Lord, on prend position pour Dieu, pour la vérité en fait. Quoi. We take position for God. On ne se compromet pas, on n'a pas peur de sa place. On voit des mensonges qui sont en place, des choses qui ne sont pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. On a peur de dire les choses ou de se prononcer pour la vérité, d'être rejeté. Non. We see lies, but yet we are afraid. We're afraid of being rejected. But no. Non, on n'a pas honte, chers frères et sœurs, parce qu'on est rempli de l'Esprit Saint. Because we are filled with the Spirit of the Lord. Oui, l'abondance. L'Écriture dit que l'abondance du cœur, l'abondance du cœur, la bouche parle. The Scriptures say that out of the abundance of the heart. Ma bouche ne pourra exprimer que les choses qui sont dans mon cœur, chers frères et sœurs. My mouth can only express what is in my heart. Ma bouche ne pourra exprimer des choses pour lesquelles je suis rempli. My heart can only express the things which fills me. Si je suis rempli de moi-même, if I am, ben je vais parler de moi. Myself, moi, il y aura le I'm moi, going to talk le about je. Myself. Mais il faut que ça diminue. Amen. This has got to Jean-Baptiste au désert, au bord du Jourdain, il faut que je diminue et qu'il croit, chers frères et sœurs. Dieu ne peut pas grandir, Dieu ne peut pas grandir, ne peut pas s'élever, l'Esprit ne peut pas s'élever en nous si on est dans la réalité de nous-mêmes. God cannot increase in us if we are in the reality of our own flesh. Bon, et c'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous reprend. Il y a un frère qui a lu un texte de 2 Timothée. C'est 2 Timothée 3, 16, que toute écriture inspirée de Dieu, utile pour corriger, chers frères et sœurs. And it's scriptures which is inspired of God that can correct us. Mais quand Dieu, la correction, c'est un signe d'amour. Hein? But the correction is a c'est sign pas parce qu'on corrige nos enfants qu'on ne les aime pas. It isn't because we have discipline that we don't. Et Dieu, c'est un Père, c'est notre Père. Il nous a adoptés, chers frères et sœurs. God is our Father. Et quand nous prenons des chemins qui ne sont pas à sa gloire, and when we take roads which are not his glory, il est dans l'obligation de nous corriger parce qu'il ne veut pas nous perdre, chers frères et sœurs. He will discipline us because he doesn't want. Aucun parent ne souhaite le malheur pour ses enfants à moins qu'ils ne soient maudits ou possédés, chers frères et sœurs. Not one single parent. Tout le monde veut le bien de ses enfants, il veut le succès, la réussite de ses enfants.
the parents was a success. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre un christianisme sans joie, chers frères et sœurs. God hasn't called us to Christianity without joy. Et je crois quand nous lisons Ésaïe 50, porter la bonne nouvelle aux pauvres. He said the spirit of the Lord is on me because he has pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Anointing to bring the good news to the poor. Oui, et quand nous lisons plus loin, il dit qu'il veut, il est venu donner un habit. Un vêtement de joie et non un habit de tristesse. He wants to give us a clothes of joy, a garment of praise and not of sadness. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de paix, chers frères et sœurs. C'est ce que l'esprit apporte dans la vie de celui qui communie avec Christ, chers frères et sœurs. The spirit of God is that a spirit of joy, which is brought to Him. Nous n'aurons pas la joie du Seigneur parce que la paix de Dieu parce que nous avons fui les bâtiments de, qu'on appelle l'église. We will not have the peace of joy just because we have fled from. Nous ne serons même pas enlevés parce que nous ne fréquentons plus les bâtiments d'église. We will not just be taken away just because we don't. Donc il y a des gens, nous ne sommes pas église du Seigneur parce que nous sommes dans les maisons, chers frères et sœurs. We are not. We are not Christian just because we are in a house church. Mais nous sommes église Seigneur parce que nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Amen. We are because we are led by the Spirit. Romains 8:14. Seuls ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Only those who are led by the Spirit. Parce qu'on peut recevoir l'esprit et résister à l'esprit saint. Mm. Et n'est pas suivre la direction. Donc il y a des enfants qui sont rebelles. Mm. Because we can. Become rebellious. Et on va se retrouver dans des situations difficiles. Parce que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Quand Israël abandonnait Dieu, Dieu les abandonnait. And we find ourselves in a situation when they would give up God, they would also. Il est livré à leurs ennemis, chers frères et sœurs. Leave them to it. Ben, c'est la même chose aujourd'hui, chers frères et sœurs. It's the same thing. Donc, nowadays, si nous voulons grandir, progresser, prospérer, if we want to progress, ben, to enlarge il faut ourselves, que nous soumettions nos vies, chers frères et sœurs, à la parole de Dieu. Submit. Que nous acceptions, chers frères et sœurs, de même que nous nous corrigeons physiquement devant le miroir, qu'on accepte que le miroir de Dieu nous corrige, chers frères et sœurs. In the same way that we look into the mirror to correct our impurities, we need to accept the mirror of God. So that we can change. Dieu voit là où nous ne pouvons pas voir. God sees where we cannot see. Et dans le psaume 119, verset 119 dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. In Psalm 119, he said, your word is a light at my feet. Donc c'est la parole de Dieu qui la lampe pour éclairer, la lampe elle éclaire, chers frères et sœurs. The word of the Lord is like a lamp that will light up our path. On vit dans un monde de plus en plus ténébreux, chers frères et sœurs. We are living in a world which is more and more dark. Il y a trop de fausseté, de mensonges, chers frères et sœurs, de ruses et d'abus, même dans les entreprises où nous travaillons. Too many lies, too many. Nous avons besoin de l'éclairage de l'esprit, chers frères et sœurs, pour ne pas tomber dans les pièges. We need les uns et les autres, so même dans les assemblées, dans les chefs et sœurs, dans les assemblées, parce que l'Écriture nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Oui. Even in our assemblies, we need the light of the Lord because Satan comes as an angel of light. Donc il faut que notre vie dépende de la parole, chefs et sœurs. Our life must depend on the word of the Lord. Aussi, donc une lumière sur mon sentier, oui. Et il est dit dans Jérémie 10, 23, que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. And it is said in Jeremiah that it's not up to man to direct his own path. Donc le Seigneur, il nous a donné le Saint-Esprit pour diriger nos vies. But the Holy Spirit gave us the Holy Spirit to direct our lives. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. So that we can be directed. Ça ne sera pas forcément les voies que nous voulons. Nous avons décidé, chers frères et sœurs, dans notre cœur. It isn't our own voice in our own heart. Mais en tant que brebis, parce que tous on est des brebis du Seigneur. Hein. The Lamb of the Lord. Qu'on soit apôtre, prophète, évangéliste, tout ce que tu veux, apostle, dans le ministère, priest, whatever, tu es une brebis. Tu es une brebis du Seigneur. Oui. Lamb of God. Tu dois entendre la voix de Dieu et suivre cette voix. C'est ce que Jésus dit dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent.
elles reconnaissent la voix du maître. Yes, they know my voice and they listen to the voice of the master. Et le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. And in Psalm 23, he says, the Lord is my shepherd. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Le berger, c'est celui qui conduit, chers frères et sœurs. The shepherd is the one that guides. C'est pas les brebis qui conduisent le berger, chers frères et sœurs. And it's not the other way around. C'est pas les brebis qui disent au berger, dis donc moi, je ne veux pas cette direction, allons de l'autre côté. Non. It isn't them who say. Who decides. C'est le berger qui conduit, chers frères et sœurs. The shepherd that leads. Et les brebis suivent, alléluia. And the flock follows. Ils suivent et le Seigneur nous conduit vers des verts pâturages, chers frères et sœurs. And he's leading us to green pastures. Quand on accepte la conduite de Dieu, du Saint-Esprit ou de Jésus, c'est la même when personne. We accept the guidance of the Holy Spirit. Ce n'est pas dans la mendicité qu'on va vivre, chers frères et sœurs. We will not be beggars. Mais il y a la mendicité spirituelle. Hein. Il y a des gens qui sont toujours en train de mendier les paroles des autres. Ils veulent toujours que Dieu les parle à travers les autres. Et pourtant, Dieu veut les parler, chers frères et sœurs. It will not just be a spiritual begging. Prophète, tu n'as pas une parole pour moi. They won't always receive. Ce n'est pas dans l'aridité, chers frères et sœurs, que nous allons vivre. It isn't in the desert that we're going to live. L'Écriture nous parle, le son de la parle de près des eaux paisibles, chers frères et sœurs. But the scriptures talk about peaceful water. Dieu va étancher notre soif. Il veut étancher notre soif. Mais il faut qu'on soit dans la conduite, chers frères et sœurs. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher, nous devons nous laisser conduire, chers frères et sœurs. Nous appartenons à Dieu jusqu'à notre dernier souffle. Mais que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs. Et s'il n'y a pas de miracle aujourd'hui, de guérison, des transformations de vie, chers frères et sœurs, dans nos bâtiments d'église. And if there aren't any transformation, mais parce que quelque part on a pris la place du berger. Because we've taken the place of the shepherd. C'est pas le Seigneur qui conduit. And we have not been led by s'il conduit, il apporte la restauration, chers frères et sœurs. When he is leading, he will bring restoration. Il apporte la paix, il apporte la joie. He will bring peace. Il apporte la consolation, chers frères et sœurs. Yes. À lui soit toute la gloire. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage. À le chercher chaque jour. Chaque on n'a pas fini de connaître Dieu, on n'a pas fini de le découvrir, chers frères et sœurs. C'est chaque jour qu'on apprend à le connaître, alléluia. Donc il ne faut pas s'arrêter, chers frères et sœurs. Ne vous arrêtez pas, que ce soit les circonstances, les épreuves, vous serez tentés. Vous serez tentés par des hommes, pas des femmes. Dieu va mettre des femmes, une femme, un homme, 23, par l'argent. Une promotion, mais ça ne vient pas de Dieu. Il faut prier le Seigneur. Amen. We will have temptation around us. Temptation with different things. Il faut écouter la voix de Dieu. We have to listen to the voice of the Lord. Même si tu es dans, Dieu t'appelle à accepter certaines conditions où toi tu te sens comme dégradé. Mais accepte-la, c'est toute ta formation. Amen. Even if you, si ça vient de Dieu, c'est pour un temps. Even if you have to accept. Ne te laisse pas guider par des pensées, chers frères et sœurs. Telle voie paraît droit à l'homme, mais que tu nous dis que l'issue, la finalité, c'est la perdition. A lot of the way seems good to men, but c'est l'histoire d'Abraham et de son neveu Lot. Ah, c'est vert comme l'Égypte. Elle a choisi Sodome, chers frères et sœurs. Et vous connaissez sa fin. Ben, que le Seigneur nous préserve. May the Lord preserve us. Amen.